now with the brain. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre enfin se porte bien. La famille, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, juste avant qu'elle commence, ma team GMT, je vous fais confiance, vous mettez un maximum de pouces bleus, un maximum de partage et vous vous abonnez à la famille si ce n'est pas déjà fait. Parce que comme je vous dis, ma vie, ou plutôt comme je vous disais, va changer dans pas très très longtemps parce qu'on récupère bientôt la maison et tout. Donc il va y avoir que de la dinguerie, des vidéos comme à l'ancienne, des défis, des pranks, ça je vous l'ai expliqué. On va prendre une villa cet été comme l'année dernière. Ça, je vous l'ai expliqué, mais il y a déjà une chose que je vous ai promis et qui va se passer là bientôt, d'accord? Là bientôt. Je vous explique tout. Franchement, la famille, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Elle en vaut le détour parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et c'est vraiment des choses importantes pour que vous puissiez comprendre ce qui va arriver à l'avenir sur la chaîne. Tout d'abord, ça, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec un t-shirt sur le bras, avec ses gros tétons couleur chorizo? Vous inquiétez pas, vous verrez bien demain en tout cas. Vous verrez bien, d'accord? Demain, vous aurez une explication, ok? Une bonne explication, d'accord? Compte sur vous. Voilà, d'accord? Autre petite chose, la famille, votre tonton est très très heureux parce que je suis allé au consulat turc et j'ai enfin, normalement, le visa vendredi. Si tout se passe bien, elle m'a dit à la femme, vendredi, vous avez le visa, donc normalement, je devrais l'avoir, à moins que j'ai pas de chance et que je l'ai lundi. Mais même si je l'ai lundi, c'est faisable parce que je pars lundi à 15h, direction avec ma petite femme, avec Alex et avec la femme de mon pote Fred et avec mon pote Fred, là, Turquie, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Pourquoi je vais en Turquie? Je vous explique ça rapidement, d'accord? Bon, ma femme, elle vient avec moi, elle m'accompagne uniquement pour m'accompagner. Je voulais qu'elle soit avec moi et surtout, je voulais l'inviter à son premier restaurant parce que depuis qu'on est ensemble, depuis qu'on est mariés, on n'a jamais fait de restaurant. En même temps, t'as l'impression que le Covid, ça fait 10 ans qu'il est là, frère. Bon, bref, en tout cas, ma femme, en même temps, ça sera pour toi la première occasion d'aller dans un restaurant avec moi, ce sera en Turquie. Stylé, ma gueule, c'est stylé. Bon, ok? Mais en Turquie, pourquoi on y va? Mais juste avant qu'on rentre sur ce sujet-là, j'aimerais vous dire qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo que j'ai fait l'année dernière en Turquie. L'année dernière, j'ai fait un vlog qui vous a énormément plu. Est-ce que vous revoulez un vlog? Est-ce que vous voulez un vlog aussi pour le décollage? Qu'on va partir d'ici, les valises, le décollage, l'atterrissage avec la chambre d'hôtel et tout. Vraiment un gros vlog. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez peut-être aussi que j'aille ou que je retourne plutôt au stand de tir pour une vidéo de tir? Est-ce que, aussi, vous voulez peut-être une vidéo encore chez Nusret où on goûte une viande pour moi qui est exceptionnelle, qui est excellente, celle de Nusret, que j'ai beaucoup aimé, faites-en mon cœur ton doigt, qui se mette pas sur la caméra. Voilà, parce que là, je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que Alex, ton phare, en partant, il a pas rechargé les batteries de ma caméra. Du coup, j'ai essayé d'allumer la caméra. Barre rouge, mon pote. Je t'explique pas le boulot. Bref, en tout cas, j'espère que Lucie, d'ailleurs, en passant par là, j'espère qu'il se porte bien et que ça se passe bien chez lui. En tout cas, je suis content un petit peu. Je le vois pas trop sur les réseaux, donc ça veut dire qu'il est bien avec sa famille. Je suis content un petit peu. Ça fait du bien qu'il soit retourné un peu chez sa famille. Donc voilà. Bref, donc je vous ai fait une globalité. Qu'est-ce que vous voulez voir en Turquie? Vidéo dégustation, vidéo vlog, vidéo stand de tir. Voilà, des trucs comme ça. Dites-moi un petit peu. Peut-être même des pranks. Voilà. Donc, pourquoi on va en Turquie? Vous le savez. C'est pour faire l'arrière de ma calvitie. C'est pour aussi faire l'avant de la calvitie de ma femme. Non, je rigole, c'est pas vrai. Hein. Non, c'est pour faire ma calvitie, la calvitie d'Alex et mon pote Fred. Il vous expliquera ça, je pense, au moment où il voudra vous l'expliquer. Mais j'ai voulu faire une opération, on va dire, dentaire pour sa femme, pour lui faire plaisir, en fait. Voilà, parce qu'elle avait, avait un truc qu'elle aimait pas. Et donc, j'ai dit à Fred, écoute, mon pote, je t'invite, toi et ta femme, et l'opération... elle est pour moi, frère. Le voyage, il est pour moi. Voilà, j'avais envie de faire plaisir à mon pote. Parce que Fred, il a toujours été là quand j'étais dans la merde. Vous vous rappelez, quand j'ai eu le problème avec la Clio 4, c'est le premier qui est venu avec une dépanneuse. C'est le premier qui a couru pour aller me chercher une bagnole. Là, c'est le premier qui a couru pour me trouver une bagnole à acheter. C'est le premier qui a couru partout. Et comme je vous ai dit, ce genre d'amis, ce genre de frères, il n'y en a pas beaucoup dans la vie. Et quand vous en avez un entre les mains, il faut le garder. Parce que c'est le genre de personne sur qui vous pouvez, vous pourrez toujours compter. C'est comme Alex. C'est pas le genre de personnes qui sont là que quand dans votre vie tout va bien. Ceux-là, ça y est, on a assez donné. D'accord? C'est les personnes qui sont là quand c'est la merde. Et ceux-là, c'est les meilleurs, la famille. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire plaisir à mon pote, à sa femme, à mon pote Alex, et également aussi à ma femme en la ramenant avec moi en Turquie. Voilà. Juste après, on ira d'ailleurs en Égypte, quelques semaines après, direction l'Égypte avec ma femme aussi. Il y a 4 heures de vol. Après, malheureusement, normalement, je devrais peut-être aussi aller à Cuba. Je ne pourrais pas cette fois-ci ramener ma femme. Pourquoi tu me regardes? Parce que je pourrais pas te ramener, mon cœur. Je te regarde parce que. Tu me regardes dans la caméra, tu me regardes. Parce que je pourrais pas te ramener. Où? À Cuba.
Ah oui, c'est Alors vrai. pourquoi je pourrais pas la ramener? Parce qu'il y a trop d'heures de vol et comme vous le savez, ben elle porte un peu mon bibou et j'aurais pas envie qu'elle le perde dans l'avion. Et en fait, c'est très déconseillé les longs courriers. Les longs courriers, c'est-à-dire les trajets longs. Et on a regardé pour Cuba, c'est 9 heures d'avion. Voilà. La Turquie, c'est 3-4 heures. L'Égypte, c'est 3-4 heures aussi. Donc ça va. Mais les longs courriers, genre États-Unis, Japon, Cuba, c'est des courriers qui sont trop longs pour le bébé, qu'elle passe 9 heures dans un avion. C'est pas terrible. Voilà la famille. En tout cas, je vous ai tenu un petit peu au courant de tout. Ça, vous verrez demain. Chut, je dis rien. Vous savez un petit peu où on va et quand on y va parce qu'on décolle lundi. Gare de Lyon. Gare de Lyon. On décolle avec un train, espèce de connard. Pardon, excusez-moi. Aéroport de Lyon. Je suis con. Aéroport de Lyon. Bah, direction la Turquie et plus précisément. Istanbul. Bravo. Ça c'est bon ça. Bref, en tout cas la famille, on se tient au jus. À très très bientôt. Et franchement, je suis content de vous annoncer toutes ces nouvelles-là. Et puis voilà. Bref, prenez soin de vous et de la Mifa. Ciao tout le monde. N'oubliez pas bah, le petit like, le petit abonnement, le petit partage. Et j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir aussi, comme elle m'a fait plaisir de la faire. Salam. Gaming!